Namogiri. Wezogo. Azimuna guzula kurano. Namoche rogiri. Woko lije bujere. Je te vois, Osre, en train de sourire. Je te salue. Je te salue, Mbam. Je te salue, les grands Omuna Mandjoku. Mbam. Hey. Okwadjou Toutou. Azum Kwafura Okwadjou Toutou. Tu m'avais apparu dans le passé avant que je sois un homme. Tout était sous contrôle avec le message. Et parfois, tu viens ici diriger. Et ces moments, tu viens en me souriant. Que la gloire te soit rendue. Quoi encore de plus grand, toi les grands Onima. Je peux les entendre. Je peux entendre chaque étape. Ekodima. Okodju tutupa. Okodju tutupa. Megwe. Dipike wa niwaya nzoko, je vous salue. Tu es la femme du défunt, Madubuko. Tu n'es pas l'une de mes cibles. Pourquoi tu es ici? Dibike, Manjoko. C'est seulement à cause de l'amour qu'il me porte pour sa fille. Peu importe la grandeur du feu. Nine. Si la personne que tu aimes brille, tu entreras quand même pour les sauver. Peu importe la grandeur de ce feu. Allez vous asseoir là-bas et attendez-moi. Merci, Naï. Naï. Tu sais ce que notre tradition demande, que chaque fille qui totalise 20 ans est sacrifiée par Iabono pour cette année et participera au festival d'Aba. Je n'ai rien pour faire ça. Tu n'as pas à me rappeler cela. Tu vois, je m'appelle Idi Ibike et je connais notre tradition tout en détail. Naï, ma fille que tu vois là, elle a exactement 20 ans. Mais je ne veux pas que cela lui arrive. Naï, s'il te plaît, je t'en prie, tu sais ce que cela veut dire. Et tu as peur de la perdre chez Abara, n'est-ce pas? Oui, Naï, oui. Dibike, c'est tout ce que j'ai. Elle est la seule. Je t'en prie. Je crois que tu vas m'aider. Que tu vas parler pour moi. J'ai mis à bord de pardon. Elle est ma seule fille. Je ne veux pas la perdre. Je suis la prêtresse de maman. Je t'en prie, pardon. Idoma, ta demande est très difficile. Je ne sais pas ce que tu peux faire pour te venir en aide. Je suis désolé. Naï, aide-moi, je t'en prie.
Nay, je ne peux pas partir chez une autre femme ou homme pour ça. Je t'en prie. Je t'en supplie. Je sais que tu n'as pas un enfant ou une femme, mais je t'en prie, aide-moi. Pardon, je t'en supplie, je ne veux pas perdre mon seul enfant. Pardon. Ioma, tout ce que tu as mentionné, ça a toujours été comme ça. La ferme d'Ikurike l'a mise à une bonne offre. Et je vais commencer les procédures et pour commencer ma nouvelle maison. Et je ne peux pas t'aider, je suis désolé. Mais s'il arrive que je le fasse, alors tu dois donner quelque chose pour la collection. Et cette collection va me servir de gage si jamais tu n'arrives pas à payer. Parce que c'est ce que Ouaburo veut qu'on les paye. Nay, s'il te plaît, je suis prête pour n'importe quelle condition. Nay, dis-les, cite-les, je t'en prie, si cela ne fera pas que je perde ma fille. Nay, parle. Pardon. Je veux ta fille affouler nous comme un gage. Oui, parce que si tu n'arrives pas à payer durant une journée, je la prendrai comme la mienne. Maman, tu veux me donner à l'échange d'une vache? Je devais faire ça à Foulenou, ma fille. Sinon, je vais te perdre. Tu sais que tu es la seule que j'ai. Je t'en prie, ma fille. Et qu'est-ce qui arriverait après une année si tu ne trouves pas la somme à lui rembourser? Ne te dérange pas. Maman, tu sais comment c'est coûteux. Ne te dérange pas, je veux faire de mon mieux. Je veux faire tout mon possible. Qu'il pleuve ou qu'il neige, je ferai de mon mieux. Parce que comme ça, je ne saurai pas. Tu sais, c'est mieux d'être avec lui que la prêtresse Ovama. Maman. Oui. Avec lui, tu seras en sécurité. Parce qu'il ne peut pas avoir de femme ou un enfant. Mais pour la prêtresse Ovama, tu iras pour de bon. Oh, c'est mieux d'être avec lui. Hein? Non, arrête de pleurer, oh ma fille. Je t'en supplie, pleure pas. Ma fille, je ne peux rien faire quand je n'ai rien. Ok. Ok. Avoir. Maman, je m'en wonyu Mike. Je vais t'entendre dans mon cœur. Antum kalam kulam kanazo kane kwanya. S'il te plaît.
je vais te poser une question. Pourquoi tu m'as initié à une solitude éternelle? Hein? Mmh. Oh, quand? Comment? Et où? Ah. Oui. Pourquoi tu m'as envoyé dans ce monde? Je souffre de la pauvreté, de la solitude. J'ai des grands pouvoirs, comme un grand guérisseur. Mais pourquoi la vie de la solitude, la pauvreté? Pourquoi? Pourquoi suis-je pauvre? Pourquoi suis-je seul? Je te le demande. Hein? Pourquoi papa devait mourir si tôt? Pendant que nous n'avons personne pour nous aider. Ma fille, je vais répondre à ta question au moment voulu. Pour la situation que nous traversons, c'est un cas général. C'est général dans la communauté. C'est le résultat de gens de ces villages qui a amené notre deuil. Hein? Pour la mort de ton père. Mon mari a été utilisé comme un agneau de sacrifice à cause du serment qui a été fait pour sa famille. Et sa famille, qui était supposée de nous aider, nous ont abandonnés. Et ils nous ont conduits dans cette misérable de pauvreté que nous vivons actuellement. Amakati Choma. Alors, qu'est-ce que je deviens, moi? Afoulemou, ma fille, tu deviendras ce que l'étude de ton destin va décider. Tu sais, pour les boutures des ignames que nous devons utiliser pour le sacrifice, ce que je sais que tu seras exempté. Ton chi est en vie. Qu'est-ce que tu veux dire, Ioma? Naïe, je t'en prie. Tout ce que je peux te dire est que la saison est difficile. Tout le jardinier s'est plaint. Je ne retrouve pas un travail. Je t'en prie, Naïe, regarde comment nous sommes. Nous n'arrivons pas à manger normalement et tu nous parles d'aller acheter les Yuabodo. Je t'en prie, essaye de me comprendre, pardon. Oh? J'aime femme. Hein? La seule option est de me donner à Fouleni comme un gage pour... Je ne serai pas échangé en remplacement d'une vache. Tu n'as pas le choix, jeune femme. Ah, l'arrangement était déjà conclu. Alors, fais-le en payant au Dieu. Ça va t'arranger automatiquement. Alors, fais vite et va à la maison. Je n'ai pas le temps à perdre. Naïe, pardon. Naïe, je t'en supplie, s'il te plaît. Aie pitié de nous, Naïe. Naïe, regarde comment nous vivons. Je n'ai qu'elle, Naïe. Naïe, pardon, aie pitié. Je t'en prie. Maintenant, écoute-moi. Je vais te donner jusqu'à cette nuit, jusqu'à demain matin. Et je viendrai demain matin pour la prendre. Suis-je clair? Maman, mais qu'est-ce qu'elle raconte?
pas. Maman, c'est quoi ça? Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas. Tu n'as pas de choix. Non, maman, non. Quand je serai prêt, tu veux revenir vers toi. Non, maman, je ne peux pas. Non, ce n'est pas possible. Non. Ça ne s'est jamais fait dans cette communauté comme maintenant. Tu as raison. J'ai très peur pour cela qui n'est pas le passé. D'ailleurs, je vois une saison de récolte très sèche. Comment expliquer? Qui dépend uniquement de la famille pour survivre? Parce que si cette saison sèche de récolte continue, c'est sûr, ils n'auront pas de quoi survivre pour leur maison. Et ce sera vraiment la calamité. Mazike, je remercie le bon Dieu de m'avoir donné la sagesse de toujours voir en avance. De toujours voir en avance concernant le mauvais jour. Oui, sinon je serais en train de regretter comme eux. C'est uniquement Dieu qui nous aide de ces problèmes. Sinon, tu devrais aussi regretter. Oui. Mais tu as la chance. Alors, nous devons continuer à prier. Oh, les vrais voyants de notre terre. Oh, Bumu, tu l'aimais. Les petits poissons que le pêcheur a négligé, a noyé les pêcheurs pendant que le requin a fui. Oh, Bumu, tu aimes, je vous salue 7 fois, 77 fois, les grands médecins du Tchéké. Mazike, je te salue aussi. Merci. Mazike, je suis surpris du fait que vous venez me chercher, spécialement toi. Le voyant Ike, c'est la situation économique de la communauté. Écoute, nous avons de pauvres récoltes pour cette saison, pour que nous t'offrons les œuvres de nos mains. Et si on ne fait pas attention à ce qui concerne la récolte, et il n'y aura pas de l'argent de faire ce genre d'activité dans cette communauté. Peu importe. Mazuke, je vais te conseiller comme j'ai conseillé aux gens que j'ai croisés récemment. Vous devez aller dans la forêt d'Agora pour voir Agora Moine. Mazuke, oui. Je suis en route. Merci beaucoup. Très bientôt, nous serons obligés de manger les ignames, comme on avait l'habitude de le faire dans l'enfance. Dieu de notre terre, viens nous aider. Mazé, pourquoi dis-tu que tu ne vas pas te mettre? Viens et attends que j'efface des ignames, afin que nous mangeons ensemble. Je ne veux pas manger ces ignames qui viennent de la grande réserve d'Ntchéké. Non. Oh mon Dieu. Peu importe. Ce n'est pas que toutes mes ignames sont comme ça. C'est juste que je me suis décidé de manger celles qui sont petites et de garder celles qui sont grosses, au cas où la famine s'installait. Mais mes ignames sont toujours les meilleures que celles des autres. De toute façon, je suis venu pour te dire que je me suis rencontré avec le voyant en route. Et il a dit qu'il a déjà dit à d'autres anciens que le dieu Abuala peut nous aider à trouver la solution à nos problèmes. Il y a un peu ce Dibia-là. Écoute, Dibia Ikene a fait un accord avec Yoma, la femme du défunt Wabuko, pour prendre sa fille unique.
En échange de la chèvre qu'il leur avait empruntée, je commençais à douter à sa manière de juger. Un instant. Tu veux dire que le voyant Ike l'avait fait? Son meilleur ami, Ikoloku, m'avait appris que sa vraie intention est de convertir cette fille en sa femme. Ça ne peut pas être possible, tu le sais bien. Il faudrait qu'il le sache. Tout celui qui est choisi pour être un sage ne se marie pas. Oui. Le Oimawan Djuku qui fait référence comme son père ne lui a jamais donné naissance. Il avait choisi de vivre une vie de solitude. Pourquoi s'intéresse-t-il brusquement aux filles? Je suis sûr. Cela lui apportera un jugement. Et cela apportera aussi le malheur à tous les Onjoko qui sont là comme messagers. Bien, nous allons voir. Les délais qu'il leur avait donnés est déjà dépassé. À moins que nous fassions quelque chose pour aider face à cette situation. Oui, je veux que nous aidions cette pauvre veuve. Parce que... Si elle perd sa fille unique de la même circonstance qu'elle avait perdu son mari, cette situation peut la tuer. Cela sera catastrophique. Faisons quelque chose pour l'aider. Bien. Bien. Laisse-moi le me préparer pour que nous partions. Ok. Voici maintenant ta nouvelle maison. Hein? Tu n'as rien à perdre. Les choses que ton père et ta mère ne peuvent faire pour toi, je le ferai pour toi. Je ne veux rien de tout ce qui vient de toi. Je vais rentrer chez ma mère. Mais tu n'as pas de choix. Tu n'as vraiment pas de choix. Le plus tôt que tu acceptes, le mieux ce sera pour toi. Et je suis pour toi toutes choses. Ton père, ta mère, ton frère et ta sœur. Et le plus important, ton mari. Quoi? Oui. Regarde. Et si tu refuses de m'obéir en quoi que ce soit, je peux utiliser le kigi pour faire de toi une aveugle. Ou encore, faire de toi un monstre. Regarde. Ta mère doit être vraiment encouragée parce qu'elle a jugé bon de te garder en vie. Si tu désobéis, ta vie sera misérable. Il serait mieux que tu fasses quoi? Que tu obéisses. Alors on vivra en paix et en harmonie. Suis-je clair? Regarde. Je vais t'amener à la cuisine, là tu verras toutes sortes de nourriture. Alors tu vas préparer si c'est les haricots, les riz, en fait tout ce que tu voudras pour ton mari. Viens ma chère, viens. 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 Arrête de faire cette tête. Normalement, tu as eu de la chance. Viens, approche, approche. Alors, allons-y doucement. Yomi, tu t'es ouverte à certains d'entre nous. Avec cette casquette, Lady Biaeke ne sera pas condamnée au vu et au su de nombreux, et même devant le Dieu. Chey, alors pourquoi affoler-nous? Pourquoi ta belle-fille? Pourquoi la fille laquelle ma femme a dit que après les sacrifices, le mari commenceront la fréquenter? Peut-être un riche, celui qui te sortira de la pauvreté. Aïe! Mon Dieu, oh, aïe! Naï, je t'ai désespéré. Je t'ai allé dans la famille de mon mari et ils m'ont rejeté. Et j'avais honte de me promener d'une maison à une autre pour demander de l'aide. Et je n'avais plus d'option. Et je m'étais décidé d'aller chez Dibieke emprunter. Je ne savais pas que ça allait se dérouler ainsi.
Je vous en prie. Il y a d'ailleurs une histoire très très dévastante, Yoma, que tu ne connais pas. Quoi dire de la façon dont je suis dévastée? Voir la seule source de ma joie. La seule chose qui me reste soit éloignée de moi. Juste parce que je suis sans aide. Juste parce que je suis comme ça, Naï. Hein? Écoute. D'une source fiable, Dibia Eke n'est pas seulement intéressée à garder ta fille pour toujours, en échange avec la chèvre que tu as dû emprunter chez lui, mais aussi de faire d'elle une femme. Crois-moi. Quoi? Oui, femme. Onak m'en avait dit, et je l'ai confirmé chez Gbologu, le meilleur ami de Dibia Kese. Oui. Hey! Oui, c'est ça. Ivamo! Oh mon Dieu, je suis fini! Il n'est pas une bonne personne. Pas du tout. Aïe, il n'est pas du tout une bonne personne. Qu'est-ce que je fais pour mériter ça? Sois forte, ne pleure pas. Calme-toi. Tu as fui? Oui, maman. J'ai fui. Oh, non. Tu ne peux pas fuir Dibi Ike. Hein? Hey! Ma fille, tu t'exposes d'un grand danger. Hein? Afulemu, tu sais que j'ai déjà fait une erreur. Hein? Il exerce maintenant plus de pouvoir chez toi que moi, devant les dieux et les gens. Hein? Tu sais que je fais une erreur. Je fais une erreur en disant que si je n'arrivais pas à payer, il va te prendre toi. S'il te plaît, je t'en prie, rentre chez lui. Hein? Maman. Hein? Maman, si ce n'est pas pour une chose, je remettrai en cause ta maternité. Je ne me laisserai pas être changée en animal. Je suis afflemme. Et non un animal. Je ne peux rentrer là-bas qu'en faisant deux choses. Les tuer et me donner la mort. T'es tué aussi, maman. Comme ça, je mettrai fin à tout ceci. Maman, comment tu peux me demander de rentrer chez un homme qui me dit ouvertement que je suis sa possession et que je n'avais pas un autre choix? Désolée, ma fille, ça va. Désolée. Pardon, s'il te plaît. Viens, on va entrer à l'intérieur. Entre, je vais te cacher. Et si c'est là, c'est une fille qui doit nous tuer, que les fasse, hein? On y va. Viens, viens. Aboulez-nous. Apotamo wa temu.
Le grand sage de notre terre, je vous salue. Bienvenue. Je suis en route vers chez vous. Et je suis en train de chercher ce qui me revient de droit, qu'on a gardé et pondre comme ça. Ça peut être quoi, grand sage? Affoulez-nous, bien sûr. Affoulez-nous, la fille de Yoma. On avait un arrangement ensemble et elle m'a donné sa fille hier, juste pour qu'elle s'échappe la nuit. Écoute, je suis en train de partir, leur dire les conséquences de ce qu'elles ont fait. Parce que je me battrai pour ce qui m'appartient. Tout ce que je ne vais pas faire, c'est avoir mal. Et si j'ai mal, ça sera désastreux. Ah, le grand sage, c'est la raison qui m'a poussé de venir vous chercher. Je comprends que Bouya Aboudo, il devait payer un prix. Et maintenant là, je l'ai avec moi. La chèvre, je l'avais achetée chez la Fagou. Je l'ai achetée chez Obutoko Dibia, que tu connais. Et je vous la porte pour que cet accord qui a été fait soit annulé. Pour que la jeune fille soit libre. Mazike, ça ne sera pas possible. Ça ne sera pas possible pour ce qui s'est passé 10 ans plus tard. Oui, tout ce que je veux est affouler nous et rien d'autre. Laisse-moi t'avertir, si tu as dû penser à ça, simplement parlant, parce que cette fille dont on parle, je suis amoureux d'elle. Hein? Oui, quand je parle de l'amour, quand je parle de l'amour fou, ça brûle de feu. C'est ça l'histoire, ma meilleure amie. S'il te plaît, permets-moi de laisser ma fille ici avec toi. Et je pourrai rentrer à Icheke pour affronter Dibike. Si Maze Nonaze et Nike vont lui chercher et m'aident à lui remettre le Iabodo que j'ai emprunté chez lui, j'ai peur d'être enfin libre. Je vais revenir lui chercher après avoir détruit la tente que nous avions faite. Je t'en supplie, pardon. Pardon, ma chère. Ioma. Hmm? Tu es mon amie. Il n'y a pas de problème. Nous sommes amis depuis très longtemps. Et il n'y a rien que nous puissions faire l'un pour l'autre. Et tu sais très bien que si seulement j'avais un peu d'argent, tu allais venir le prendre chez moi. Ou soit j'allais te les donner pour que tu me les remettes plus tard. Oui, je le sais. Mais tu peux voir que je me débrouille. Depuis que j'avais perdu ma sœur, ainsi que mon mari, et les maris de ma sœur qui étaient morts dans un chantier. Donc, les enfants de ma sœur vivent avec moi. Naka et Ogechi. Ils vivent avec moi. Donc la situation n'est pas facile. On se débrouille tant soit peu avec l'épée que nous avons. Hein? Mais ce n'est pas du tout grave. Même si ça nous demandera de manger les cossettes de manioc, ou soit les noix de palme, nous le ferons. Nous allons manger et boire de l'eau. Nous allons survivre. Eh? À quoi bon être des amis? Merci. Oh, ça suffit. Merci. Ça va aller. Hein? Je suis et vraiment reconnaissante. Oh? Hein? Notre Chi te bénisse et te donne tout ce que tu désires. Amen. Hé, hey, j'avais perdu tout espoir. Merci. À quoi bon être des amis? Ma fille. Maman. Allez, parle. Ah, merci, maman. Prie. Merci. Allez, amène-lui dans ta chambre. Quella camburo venien.
bien été. Avec tout le respect, refuser d'accepter de prendre la chèvre dont la fille a été prise en gage et que tu insistes de la garder comme holocauste, c'est pour dire au moins que c'est un cœur de méchanceté. Je suis là. Tu t'es réveillé tout en te mettant debout et pensais me faire le défi à quelqu'un comme moi, n'est-ce pas? Je suis délégué. Je suis délégué. Mais à quelques fois, la vérité ne peut pas être cachée. Mais elle vient sûrement exposer la personne. Ton ambition de posséder la fille n'est pas ordinaire. Pour dire en vrai, moi et Mazike, nous avons contribué avec notre argent difficilement gagné pour t'acheter la fameuse chèvre. Cependant, tu as carrément refusé de la prendre. Plutôt, tu as demandé d'avoir la fille comme ta femme sans notre consentement. Et aucun droit n'a été donné. Simplement parce que elle a été utilisée comme un gage. Ce qu'il faut faire, utilise un sacrifice pour la pureté. Olaz, étais-tu là quand l'engagement avait commencé? Les accords de cet arrangement étaient que, à tout moment, même pour un jour, je prendrai Afoulenou et je la prendrai comme la mienne. Et maintenant, je compte des jours. Je suis venu prendre ce qui me revient du droit. Ou sinon, je vais détruire tout celui qui se mettra sur mon chemin. C'est ça. La fille que je vais prendre en tant que femme. La fille qui me fait rêver. Écoute, personne ne peut la retourner à la maison. Parce que elle est à moi. Mais... Et à ce que je sache, elle m'appartient. C'est une partie de moi. Je ne pense pas que ce sera de la méchanceté. Parce que je n'hésiterai pas de détruire toute intercation sur mon chemin. Onassé, je t'avertis, c'est le moment de choisir ton camp. Au cas contraire, Ioma, combien de fois je t'ai appelé? Où est mon Nafoulenou? Naï, je crois qu'elle était avec toi. Je me suis réveillé ce matin et je n'ai pas trouvé Afoulenou dans ma maison. Je suis parti chez toi et tout était fermé. Maintenant, écoute-moi. Où l'as-tu caché? Va l'amener chez moi parce que je suis en train de perdre la patience. Non. Mazonazio et Ike t'ont amené ton Iabodo. Naye, c'est supposé que notre attente est finie. Et comme ça, tu devais reprendre ton Iabodo et que moi je reprenne ma fille. Et nous allons tous vivre en paix. Naye. Ce n'est pas que je n'ai pas aimé ce que tu as fait pour moi. Oh. Honnêtement, j'ai vraiment aimé et je t'en remercie. Et je vais... Tu n'apprécies pas. Tu n'apprécies rien du tout. Regarde-toi, tu n'as pas de reconnaissance. Oui, j'ai respecté l'accord, mais toi, tu as échoué. Tu as échoué. Et tout ce que je te demande en ce moment, où est mon Afoulenou? Donne-moi mon Afoulenou maintenant. Naye, je ne sais pas du tout où elle est. Je croyais que... Ne t'en fais pas. Je veux alors la chercher. Je vais la chercher. Honnêtement, je ne sais pas où elle est. Ioma, toi et ta fille est en train de jouer avec le feu. Et bientôt, ça va commencer à vous brûler. Bientôt. Ioma,
Combien de fois t'ai-je appelé? N'importe quoi. Ce monde est très méchant. Afoulé, ne t'inquiète pas. Ok? Moi, Inaka, je n'ai peur de rien. Même pas la mort ou la vie. Depuis que je suis né, il n'y a rien sur la terre qui me fait peur. Comme tu peux le constater, je vis maintenant avec ma tante Nelia. Mais j'ai été élevé par ma grand-mère, qui a pu me faire comprendre que le problème ainsi que les affaires liées à la vie sont faites pour être conquis. Je dois me battre, Ifoma. Jusqu'à ce que tu te libéreras de cet homme. Il ne pourra pas et ne te possédera jamais. Alors crois-moi. Merci énormément, Naka. Personne ne m'a jamais encouragé autant avant. Le fait que je sois échangé d'avec un bouc, j'ai développé une haine contre moi-même. Maintenant que tu m'apportes la lumière, je suis disponible à tout ce que tu me diras. Ce que j'essaie de te dire, c'est que... La nourriture est en train de se refroidir. Je dois vous servir maintenant, non? Aucun problème. Mon très cher ami est venu chez moi plaider en disant que même s'il fallait qu'elle couche avec moi pour que je vienne plaider auprès de toi, que ça ne sera pas un problème. Et c'est pour te montrer comment elle manque qu'il l'aidait. Elle a dit qu'elles ont amené la chèvre afin que le serment de cet accord soit brisé. Et mais tu as refusé la chèvre. Tu sais que nous avons toujours été de bons amis. De bons amis depuis l'enfance. Et bref, il n'y a rien. Je crois que je pourrais plaider ou que je pourrais demander auprès de toi et que tu ne les fasses pas. Même si... ils ne l'ont pas fait à temps, au temps convenu à l'accord. Qui a fait à ce que tu prennes la fille qui a été utilisée comme un gage et aussi en remplacement? Je viens plaider auprès de toi, mon ami. S'il te plaît, pardon. Je sais que tu as toujours été une très bonne personne. Hein? Maintenant que la chèvre est prête, s'il te plaît, accepte-la et laisse que le serment soit brisé afin que la fille soit libérée pour vivre à nouveau une vie normale. S'il te plaît, je t'en supplie, s'il te plaît. S'il te plaît, je sais que tu le grandis bien, s'il te plaît. S'il te plaît, n'arrête pas d'être une bonne personne, s'il te plaît. Mon meilleur ami, si tu étais venu 2, 4, 5 ans avant, ça allait être possible. Maintenant, à 7 ans, la seule solution que vous avez est que de retourner, de ramener à fouler nous à moi. C'est tout. Même si un éléphant se tient là-bas, il ne peut pas changer. Oui. À fouler nous est à moi. Et elle restera à moi pour toujours. Ioma,
si tu ne ramènes pas Afoulé-nous chez moi, tu vas dormir et se réveiller tout en voyant ton corps mort. Écoute-moi, la partie de vengeance, ma partie de vengeance est tout prête. Personne ne sera épargné. Je me suis fait comprendre. Ne t'inquiète pas. Wow. Je suis heureux de voir encore ton visage sourire. Tu aimes tellement ma compagnie, pas vrai? Si je le niais, est-ce que tu me croirais? Bien. Il y a pas mal de gens qui disent qu'ils m'aiment, mais je me nourris de cette notion que les gens ne sont pas gentils. Juste comme cet homme qui a voulu m'avoir en échange d'un bouc. Oh bon sang, mais cet homme, il est en train de se faire des idées. Mais sache que je vais m'assurer qu'il ne t'obtienne jamais. C'est un Dibia puissant. Reste loin de lui. Oh. Afoulé, non. Tu sais, il y a beaucoup de choses me concernant que je ne t'ai jamais racontées. Ma grand-mère me disait quand elle était vivante que ma mère m'a mise au monde le long de la rivière. Elle m'a aussi dit que j'ai dormi loin de ma mère. Mais la rivière m'avait rejeté pendant que tous pensaient que j'étais déjà mort. Je suis un énigme. Un mirage pour certaines âmes. Bien. Le Dibia dont tu parles pourrait être puissant. Mais tu sais que j'ai dû échapper à la mort. 8 fois. Donc je crois que ma mort ne peut jamais provenir de quelqu'un. Jusqu'à ce que mon temps arrivera. Bien. J'en parlerai avec ma grand-mère. Jusqu'à les mener la vie dure. Pour qu'il puisse te libérer. Et te libérer pour toujours. J'ai fait un rêve terrible hier la nuit. Quel rêve? Je me suis vue enfermée dans sa cage. Tout le monde m'entourait. Maman y compris toi. Mais personne de vous n'était en mesure de me libérer de cet emprisonnement. Des fois j'ai l'impression d'être déjà ruinée. Tu veux bien la fermer à fouler, non? Est-ce que ça va à toi? Ou peut-être, même si tel est le cas, moi, Inaka, je ferai tout mon mieux pour te libérer. Jusqu'en mourant, mes rêves se réalisent toujours. Le mieux pour moi serait de me donner la mort pour me libérer une fois pour toutes. Si tu continues de dire cette bêtise, je te promets que je vais oublier tout l'amour que j'ai pour toi. Je vais mettre à te frapper comme un petit enfant. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Tu es déjà amoureux de moi. Je crois que cette banane est déjà mûre. Je suis heureux que tu sois heureuse. Affolez-nous. Aujourd'hui n'est pas un jour de consultation. Pourquoi venez-vous me déranger en ces jours? S'il te plaît, Abala, une jeune veuve est en voie de commettre un suicide maintenant. Et comme nous parlons, sa fille est retenue captive parce que sa mère avait fait un accord par un serment de la donner à Dibia Eke. Alors, nous sommes allés auprès de Dibia Eke
avec une chèvre dont il a rejeté, disant que ça doit être la fille ou rien d'autre. Et c'est pourquoi nous sommes venus te voir. J'étais allé même voir les Igwe pour lui informer avec les autres anciens. Voilà un peu. C'est ça. Depuis qu'Evelyne est venue dans cette maison, tu ne passes plus du temps avec moi comme tu l'as toujours fait. Ogechi, c'est toi ma sœur. Et qui est-elle? Ta femme? Bien, regarde-moi. Prends ton temps pour bien me regarder. Toi et moi savons que je ne suis plus un petit enfant. Ma sœur chérie, depuis que j'ai pu poser mon regard sur cette fille, tu sais ce que j'avais ressenti de ne jamais arriver avec une autre femme avant. Elle est une mauvaise femme. Parce qu'elle a trop de problèmes et elle est en train de s'échapper de cela. Donc? Tu me demandes. Et l'homme que les dieux lui ont donné, il dit qu'il veut seulement elle ou tout le monde mourra. Et tu continues à poser des questions. Ogechi, tu es ma sœur. Donc je sais ce que tu peux ressentir en ce moment. Je comprends ce que tu ressens. Tu es certainement jalouse que tu sois en train de perdre mon amour pour toi. Pas vrai? Mais tu sais que tu es ma sœur et je ne peux jamais t'épouser. Ou que tu sois amoureux d'affoler nous. Et je veux m'assurer vraiment que cet homme arrête de rêver, se réveille de son sommeil afin d'arrêter avec cette intimidation. C'est un médecin très puissant. Et tu es le seul homme qui peut continuer avec la lignée de notre famille. Reste loin d'elle pour que tu vives. Oh, tais-toi! De quoi parles-tu? Je suis Ondata. Ah. Ok, tu as-tu oublié que j'ai pu tuer un python avec mes mains? J'ai pu traverser cette forêt sans crainte. Sache que j'aime affouler nous. Je veux rester à ses côtés jusqu'à la sortir de là. Cela ne va jamais arriver. Cela n'arrivera jamais. Nos parents sont morts à cause de la même erreur. Et tu veux faire pareil? Ah, jamais, oh, cela n'arrivera pas. Ça, jamais. Dis bien que a maintenant le droit sur Afoulemou. Il a tout le droit de la garder ou de la laisser libre. Il n'a rien fait qui soit contre leur accord. Et les dieux ne sont pas en colère contre lui. Mais Abala, retournez chez vous et laissez Dibiaïke se battre pour ce qui est à lui. Mais ce qui réjouit est que les dieux ont décidé de guérir la terre. Rentrez à la maison et observez ce qui va se passer. Que le Dieu soit loué. Ifemina Nounou, affoulez-nous. Viens toucher mon corps. Hey, Ioma, joue avec moi. Je vais lui montrer pourquoi on m'appelle Ibieke. Hey! Ah! Afouleni Miekeba. Hein? Où es-tu, ma chérie? Hey! Afouleni! Où es-tu allé? Hein?
Je t'attends ici. Hey! Hey! Reviens ici. Reviens à Fouleno. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je dis que je vais la ramener chez Dibiaïke cette nuit. Nous avons tout fait pour essayer de le calmer, mais il refuse. Même la prêtresse Abala a dit qu'il est dans ses droits. Je dois ramener Afuleno chez lui. Qu'elle soit avec lui pour toujours, sinon elle va le tuer. Tu ne feras pas une telle chose. Rien de tel n'arrivera. Personne, je dis bien personne ne pourra prendre Afuleno en échange d'une chèvre. Parce que moi et Naka, je m'assurais qu'on ne la vende pas contre une chèvre. C'est un animal qui doit être échangé contre un animal. Afuleno que vous voyez est un être humain dont je suis supposé protéger la dignité avec la dernière goutte de mon sang. Naka, si tu as réellement l'intention de le faire, je te soutiens. Le mal est déjà fait, mais nous ne pouvons pas accepter que cela puisse empirer. Si Dibiaïke veut qu'elle puisse devenir sa femme, alors il doit suivre le processus normal et non chercher à la posséder comme si elle était un objet. C'est pas normal, hein? Qui peut faire ça? Je ne vais pas non plus retourner là-bas. Je ne vais plus retourner à ces vieux sorciers désespérés. Je préfère plutôt me donner la mort. Ne t'en fais pas. Afuleno. Comment peux-tu donner une si jolie fille à un bouc? Ben, non, c'est pas possible. Non, c'est pas bien. Mais vous savez que c'était un accord. Mais qu'est-ce que tu racontes? De quel accord parles-tu? Est-ce que tu réfléchis au moins? Arrête! Ichie. Hein? Ichie. Ichie. Hein? Je venais te chercher. Je crois que tout va bien. Je suis en train de me rendre voir mon meilleur ami, Okurike, qui, sa femme a donné naissance à des jumeaux. Ok, tu pourras partir prochainement. Présentement là, Iguma envoie t'appeler toi, Ichiike. Présentement, tous les autres anciens sont là au palais. Ils vous attendent seulement. Ichie, tu peux pas croire ce qui est arrivé. Pour la première fois de notre histoire, ainsi que celle de notre terre, Kiyigwe a envoyé une adresse à Dibiaïke, et Dibiaïke la lui a retournée. Disons que si Igwe lui demande de pardonner à Afuleno ou Iyoma, il ne le fera pas. Oui, il a aussi dit que Igwe doit faire comparaître Iyoma pour lui donner à Afuleno. Sinon, il se mettra en colère et il y aura un problème ici. Oui. C'est quoi exactement ce que Dibiaïke voit dans cette jeune fille Afelou? Qui fait ce qu'il agisse comme ça? Aïe, Chie, ce n'est pas normal ce genre de choses. À quoi penses-tu lorsque tu vois un homme qui donne sa fille en échange d'une chèvre? Hein? Quelqu'un qui n'a jamais senti le corps d'une femme dans sa vie. Il est prêt à faire ça. Ce que nous avons à faire maintenant, c'est d'aller très rapidement au palais. Igwe et les anciens sont en train d'attendre. Allons-y. Tu vois? On peut continuer à causer en route. Allons-y vite. Maintenant, je pense que nous devons aller rencontrer mon ami. Je vous en prie. Sous les paroles de Dibiaïke, il a dit s'il ne voit pas Afuleno pendant cette nuit, je vais me réveiller et une partie de mon corps ne va pas fonctionner. Pardon. Pardon, je ne peux pas. Il faut que je rentre là-bas. Parce que si je continue comme ça, je finirai par mourir. Je vous avais dit qu'il va me tuer. Sois fort, ça va aller. Rien ne va t'arriver, ma belle. Ok? Dehors. Hey. J'ai pensé à quelque chose. Hey. Maman, qu'est-ce que c'est? Je ne veux que rien de mal n'arrive à ma mère. Que rien de mal n'arrive à ma mère. Rien ne va lui arriver. Voilà pourquoi je réfléchis sur quoi faire. Ok? Oh, mon Dieu, ça va aller. Oh, cette fille. Maman, calme-toi. Hein, oh, Getchi. Oh, Getchi. Naka.
Naka, cela est arrivé, oh. C'est arrivé. Okechi, qu'est-ce qui est arrivé? Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il y a? Quoi d'autre? Qui encore si ce n'est pas ces fantômes donnés par sa mère ou Dieu? J'aimerais tellement voir une partie d'elle morte. Oh mon Dieu. Cette fille doit partir, hein, pour qu'on respire un peu. Tais-toi, arrête de dire de bêtises. Okechi, s'il te plaît, hein. Et qui d'elle a-t-il frappé? La merde a affolé, non? Et où est-ce que tu vas? Tout ce que je cherche, c'est ce qui m'appartient. Et que... Oge. Ah bon. Oh, vous êtes mes témoins. Affoulez-nous m'a été promis. Et ce que je veux, c'est seulement affoulez-nous. Yoma, ça ce n'est qu'une partie de l'iceberg. Si tu ne veux pas me donner mon affoulez-nous, je veux me concentrer et tourner vers toi. Oh mon Dieu, s'il te plaît, avançons. Avançons, maman. Et s'il te plaît, avançons. Sois forte, maman. On est plus loin, d'accord? Ça va aller. Ne te fatigue pas. S'il te plaît, je ne te fatigue pas. On est proche, s'il te plaît, avance. Délivre-toi. Et sois forte. Ça va aller. Tiens bon, d'accord? Sois forte, maman. Rien ne t'arrivera, d'accord? Oflin, va-t'en, oh, va-t'en dans ton village. Va-t'en, on va épouser Didi Bia. Ta mère t'a mise au monde pour le Dieu. Hein? Retourne. Maintenant, tu vas porter ta malédiction sur notre paisible demeure. S'il te plaît, hein, va-t'en et ne reviens jamais. S'il te plaît, laisse-moi tranquille. Mon frère ne posera pas. Une fille qu'on a échangée contre une chèvre. Tu vois, va-t'en, oh, va-t'en. Offre-nous, va-t'en. Hein? Je ne croyais pas que tu pouvais me dire tout ceci. Connaissant tous les problèmes liés à ma vie. Je serai là en train de sauter et acclamer pour toi. C'est ça ce que tu veux, hein? Mon frère a donné toute son attention à toi. À toi. Pourtant, il me traite comme une femme. Toi, une femme choisie par le Dieu. C'est donc ça qui a donné naissance à cette haine que tu as contre moi? Non. Je ne sais pas quoi d'autre que tu es. Je suis dit de partir. Va-t'en et ne reviens plus jamais.
appartient à Didibia, le dieu. Je t'en prie. De la manière dont Igwe a parlé, il n'y a plus d'espoir. Oui. Plus nous condamnons cet acte de Dibia Ike, Yoma aussi doit être blâmé pour avoir accepté de faire cet accord. Oui. Nous devons avertir Yoma catégoriquement d'avoir cédé à Felou au Dibia Ike. S'il veut sacrifier la classe de personnes les plus âgées de son peuple, Njoku, à cause de ce serment fait, en tout cas, c'est son affaire. Avant qu'il le fasse, je plains d'espoir que les jeunes hommes, ils voient transférer le pouvoir à sa lignée. Bien. Ça, c'est leur affaire. Laisse-moi que j'aille voir mes cochons. Ok. D'accord, prends très bien soin de toi. Merci. Bonjour. Je ne suis pas d'humeur de parler avec toi en ces moments. Qu'est-ce que je fais, Dibia Ike? Le fantôme de mon mari m'apparaît toujours. Tu sais que tu m'avais demandé de les contrôler et on l'a arrêté, ça fait des années maintenant. Pardon, aide-moi comme une veuve normale. Tu sais, si ce n'était que pour moi, il n'allait pas être arrêté. S'il te plaît, Dibia Ike, aide-moi. Je te ramenais quelques ignames du champ pour que tu puisses préparer. Non, mais cette histoire va me rendre fou. De la même manière que tu as laissé ton mari refuser de se reposer dans la tombe à cause de l'amour. Yeah. Quel amour? Toi et qui? Afoulé-nous et moi, bien sûr. Afoulé-nous la fille d'Yoma. Ils veulent préparer Ewa Bodo, mais je veux affouler nous. Depuis lors, je savais qu'elle n'était pas capable d'apporter la chèvre en question. Mais j'ai été vraiment patient. Je les ai attendus durant une année. Et ça vient de passer. Alors, tout ce que je veux maintenant, c'est affouler nous. Et non, Ugwe Abudu. Tu vois, j'aimerais jouir d'une femme. Jouir d'une femme tant que je suis en vie. Va et informe-le. Informe tout le monde. Va. Va. Allez-y. Il y a quoi? Ichi, il y a quoi? Ichi, le pire est arrivé. Qu'est-ce qu'il y a encore? Calme-toi. C'est Yoma. Yoma est revenu d'Abaka. Pendant que je te parle, elle est en train de partir. Dibia Ike est venue le soigner. Elle est déjà partant. Si tu n'arrives pas, elle va partir. Viens, hey, vite. Mon Dieu, Oh mon Dieu, partons vite sauver la vie de celle qui veut mourir. Yoma, tu n'es qu'aimé. Qu'as-tu fait? Ah, ma tante. Je lui dis d'aller épouser l'homme que les dieux l'ont donné et elle est partie. Depuis lors, je ne l'ai pas encore vu. Ce n'est pas vrai. Attends. Tu vas me tuer un jour. Reviens, où est-ce que tu vas? C'est très triste. C'est ici où je vais mettre fin à toute chose. Où on ne saura plus jamais me retrouver. Dibi Ike aura au moins mon cadavre en échange à un bouc. Je ne saurais supporter cette honte.
Maintenant, raconte-moi ton histoire. Maman, où est passé Afoulé-nous? Où est Afoulé-nous? Mon fils, Ogechi l'a chassé, je dois aller la chercher. Quoi? Ogechi, qu'as-tu fait? Qu'est-ce que tu as fait? C'est bon, ça suffit. Arrête ça, mon fils. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? À la place de vous battre, vous devez au moins chercher un moyen pour aller la trouver. Tante, tu ne comprends rien. Pendant que nous parlons, les anciens de Icheke sont venus la chercher pour l'amener chez Dibia Ike. Jamais il va chez moi. Et pendant que nous sommes au palais, j'avais dit que personne ne pourra la traiter. Sauf Dibia Ike. Et ils ont pu demander qu'on devrait amener à Afoulé-nous directement chez Dibia Ike. Pourquoi nous sommes pressés pour les arrêter? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Qu'allons-nous faire? Je t'en prie, mon fils, arrête. Hein? Nous devons réfléchir sur comment nous allons la retrouver. Hein? Où est-ce que nous allons trouver Afoulé-nous? Attendez. Maïf a montré l'arbre auquel il va se suicider. Et si tout allait mal, hein? C'est là que je vais. Afoulé-nous! As-tu vu ce que tu as causé? Hein? Attends, laisse Afoulé-nous. Laisse-la partir. Tout ça, c'est à cause de toi. Laisse-la partir. Hein? Tu as causé tout ça, c'est à cause de toi. Reviens ici. Tu veux dire qu'il a dit tout ça? Il a dit ça de sa propre bouche. Je suis sûre qu'il ne savait pas quand il avait accepté ça. Il souhaitait qu'elle ne soit pas capable de payer cet Afoulé-nous. Pour qu'il aille Afoulé-nous. Et comme ça, il va se réjouir d'une femme avant sa mort. Le monde ne cessera de nous étonner. Je savais qu'il n'était pas une bonne personne. Il a dit qu'il n'est plus intéressé à son travail de Dibia. Tout ce qu'il veut, c'est Afoulé-nous. Chai. Ce mot ne cessera de nous étonner. Ce mot ne cessera de nous étonner. Oh mon Dieu. Naka, n'est-ce pas? Oui. Garde Dieu pour elle. Car elle s'était décidée de se donner la mort. Heureusement que j'étais là, Zatan. Elle n'aura plus cette chance plus tard. Oh, merci beaucoup, monsieur. Merci. Pardon, monsieur. J'ai une requête à vous faire. Qu'est-ce que c'est? Ils la cherchent. Ils veulent l'amener chez Dibia, qui ne connaît pas sa valeur, encore moins de respect pour elle. Il dit bien qu'il l'a acheté en échange d'une chèvre, une chèvre mâle. Et s'il vous plaît, monsieur. Est-ce qu'on peut rester avec vous? Même s'il faut commencer à chasser avec vous. S'il vous plaît, monsieur. Aidez-nous. Je ne veux que rien de mal ne lui arrive. S'il vous plaît, monsieur. Afoulé-nous. Dis-moi un peu ce que tu ressens pour cet homme. Naka est l'homme que je vois. Avec lui, je vois l'avenir. Je préfère être avec lui que d'être avec un homme qui me donne la même valeur qu'il donne à un bouc. D'accord. Il n'y a aucun problème. Nous allons rester ensemble dans ma maison. Oh, merci beaucoup, monsieur. Merci, monsieur. Je vous souhaite énormément du bien. Après moi. Merci beaucoup, monsieur. Merci, monsieur. Qu'est-ce que tu veux dire que tu ne sais pas là où elle se trouve? Écoute, nous parlons de la vie humaine. Et si quelqu'un meurt, Neddy, tu seras responsable. Est-ce que tu m'écoutes? Je jure, je n'ai aucune idée de là où elle est partie. Avant que Naka revienne de la maison d'Idibia, elle avait déjà disparu. Il a quitté la maison pour aller à sa recherche. Je ne sais pas là où elle est partie. Femme, regarde-nous. Sommes-nous comme des enfants? Hey, est-ce que tu nous regardes bien? Étonnant. Hein? Écoute,
Ton neveu, Inaka, peut avoir des intentions envers elle, mais la vérité, c'est qu'elles appartiennent à une autre personne. Sa maman la folle m'a vendu contre une chèvre qu'elle avait empruntée chez Dibaïke, donc elle appartient à Dibaïke. C'est ça. Mets ça dans ta tête, femme. C'est ça. Hé, hey, je vois que vous ne me comprenez pas. Je jure sur tout ce que j'ai de plus cher, je n'ai aucune idée de là où elle se trouve. S'il vous plaît, si seulement je savais là où elle s'est trouvée, j'allais gentiment vous le dire. Hein? J'ai pas envie que qui que ce soit meure. Je vous en prie, comprenez-moi. Comment pourrais-je accepter la mort de quelqu'un? Yoma, je suis venu te dire juste que je ne suis pas si méchant comme tu le penses. Si je l'étais, tu ne serais pas en train de dormir dans ta maison. Tue-moi! Dis bien, tue-moi! Tue-moi pour que toutes ces affaires soient finies! Tue-moi! Aide-moi à partir! Je vais partir dans l'école, mais... J'ai honte parce que j'ai changé ma vie à cause d'une chèvre! Mais elle n'est pas convaincue. Dis-moi pour qu'on en finisse. Non. Je ne vais pas te tuer. Par contre, je suis venu te guérir. Peu importe où Afulenu est caché. Je veux la trouver. Et la méchanceté est à moi. Agabidou, 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 Idou Naba, Agabidou, Idou Naba. Je peux voir de l'amour à travers vos yeux. Oui, monsieur. Je l'aime déjà. Messieurs. Je ferai d'elle mon épouse. L'amour est la chose la plus douce sur terre. Et particulièrement lorsqu'il est pur et sans mauvaise pensée. C'est vrai. Croyez-moi, mes enfants, je l'ai aussi expérimenté. Certainement, je l'avais à mon époque. Comment vous vous sentez? Ma seule crainte, c'est l'ennemi. Dibiaïke. Là, vous avez raison. Quand la mort brille, il a franchi toujours. Et je crois que notre amour est stable. Il ne pourra pas chavirer même face à une grande pierre. C'est une bonne chose, mes enfants. Merci. Ma tante, je suis désolée pour ce que j'ai fait à Foulenou. J'ai oublié que
Entre elle et mon frère, il y a une très grande aversion. Peu importe. Demain à la première heure, je t'emmènerai avec tes larmes de crocodile voir les voyants pour trouver et aider l'aide. Prochainement, tu apprendras à aider un âme qui est dans le besoin. À la place d'aggraver la situation de cette personne. Hein? Je suis désolée, ma tante. Ne me dis pas que t'es désolée. J'en veux pas. Mon cher, pourquoi tu me fais ça? Hein? Qu'est-ce que je fais? Et comment me connais-tu? Va dans la maison de tes parents. Demande à ton père. Il te dira qui est Oudjabigou. Je le ferai, mais qu'est-ce que je fais? M'en dis bien. Tu as comploté avec mes ennemis pour prendre ce qui me revient de droit. Remets-moi à Foulenou et tu seras en paix. Es-tu celui à qui sont en train d'échapper? Oui, c'est moi. Et je vais continuer de les poursuivre jusqu'à ce que je vais les avoir. S'il te plaît, je vais les renvoyer et me rassurer qu'ils rentrent chez toi. Je ne veux pas m'impliquer à quelque chose que je ne connais pas, et particulièrement que tu dis que je vais les regretter. Je ne veux pas les regretter. Je ne veux pas salir mes mains. Fais-les! Fais-les en paix, ou sinon je crée la guerre. Hein? S'il te plaît, je le ferai, bien sûr. C'est mieux. Les choses sont devenues trop étranges. Je ne comprends même plus. Comment une mère peut être si méchante comme ça? Elle a échangé son enfant contre une chèvre. Le pire est qu'elle a donné sa fille à un Dibia. Si elle a maintenu, heureusement que j'ai un père qui a dû me protéger de toutes ces genres de choses durant toute mon enfance. Et non, c'est lui qui va me donner par les dieux. Ma chérie, la nouvelle est partout dans nos villages. Certains disent qu'elle est morte, mais je suis surprise qu'elle soit en vie et à bonne santé. Ce sont leurs affaires. Je t'en prie, porte-toi là en croirté déjà. Merci beaucoup. Ah, monsieur, bienvenue. Bienvenue. Ah, vraiment. On était vraiment drôle aujourd'hui. On a juste mangé des fruits. Mais ça va. Hein? Oui, et nous en avons tellement profité. On est. Monsieur, pour être honnête avec vous, je pense que je peux rester ici pour toujours, vraiment. Merci. Vous deux devez partir en ce moment même. Maintenant, maintenant, maintenant. Et quand j'ai dit maintenant, ça veut dire maintenant, pas demain. Monsieur, désolé. Qu'est-ce de mal avons-nous fait? Vous n'avez rien fait de mal. Mais ma vie en dépend surtout. Si j'ai la risque en vous gardant ici, je payerai avec ma vie. Dibia Ike m'a confronté. Alors partez, maintenant même, pas demain, maintenant. Ndinza, je vous prie, s'il vous plaît, ne nous faites pas ça. Vous ne pouvez pas me faire ça, pas à moi. N'oubliez pas que vous avez toujours été notre source d'encouragement. N'oubliez pas ce que vous nous avez dit jusqu'ici. Oh, donc vous ne me comprenez pas. Je veux que vous partiez. Que vous partiez maintenant. Partez. Maintenant. Partez de ma maison. Maintenant même. S'il vous plaît, Judy. Nous n'avons pas où aller. Je vous prie, pardon. Laissez-nous. Je dis, vous deux devez partir de ma maison. Maintenant. Je n'ai pas d'autre choix que de vous demander de partir de ma maison.
Je ne veux aucun problème. S'il vous plaît, partez. Affolez-nous. Où irons-nous, hein? Parce que rentrer chez moi à la maison signifie te rendre à Dibia Ike. Peut-être que nous devons aller voir la grand-mère, voir si elle peut nous trouver une solution. Après quoi, nous pourrons trouver un endroit où nous abriter. Qu'elle sache au moins que nous sommes encore vivants. Allons-y. D'accord. Et sois juste forte. Affoulez-nous, tu m'appartiens et personne ne peut t'éloigner. Affoulez-nous, combien de fois je t'ai appelé. Je dis personne ne t'éloigne de moi. Tu m'appartiens pour toujours. Tante, ne me dis pas que tu n'as pas une mainmise dans ça. Parce que tu es la seule personne avec qui nous avons partagé notre projet. Comment peux-tu m'accuser d'une telle chose? Hein? Tout en sachant que je te soutiens pour que tu restes avec elle. Dis-moi. Alors qui l'a fait? Et qui est-ce qui est celui qui a orchestré tout ceci? Je vais à Ichike. À la maison des Dibia. Et comme ça, je vais les confronter et voir s'il y a une mainmise dans tout ceci. Nanka, ne fais pas de bêtises. Hein? Si tu as un peu de respect envers moi, ne te rends pas là-bas, mon fils Nanka. Tu m'entends? Nanka, s'il te plaît, écoute notre histoire. Tais-toi! Ne me dis pas ce que je dois faire. Maintenant, écoutez-moi. Je vais là-bas pour sauver Afoulenou. Je vais sortir mon amour de là. Nanka. Ma tante, ne te dérange pas. Laisse-le partir.
Il va revenir. Achille Wogotago, Jaguna, Chiwuji, Nego, Koi, Afulen, Gotago, Jaguna, Chiwuji, Nego, Koi, Wake on that. Well, why are you naming him work to look on his head of home, even my total womanage? Gotago, Jaguna, Chiwuji, Nego, Koi, Afulen, Gotago, Jaguna, Chiwuji, Nego, Koi, even my total womanage. Ce qui m'appartient, m'appartient. Afoulez-nous, tu m'appartiens. Oh, Afoulez-nous, reviens à la maison. Tu reviens à la maison. Oh, tu m'appartiens et personne ne peut t'éloigner de moi. Viens. Commence à venir. Viens. Ogechi, tu as dormi sur ces campagnes. Ogechi, ma sœur. Est-ce vraiment toi? Bien sûr que c'est moi. Qu'est-ce que tu fais ici? Je vais t'aider à la trouver. Vu que c'est elle qui a capturé ton cœur, je vais à tout prix qu'elle te revienne. Et toi? Regarde ce que tu es en train de te faire. Tu es à moi. Tu m'appartiens. Qu'est-ce qu'il y a de si difficile pour toi de comprendre? Tu es un démon. Je te hais à mort. Écoute, si je ne peux pas t'avoir, alors personne t'aura. Aucun garçon va tourner autour de toi. Je ne te connais pas. Et je ne veux pas non plus être avec toi. Je préfère plutôt mourir que d'être avec toi dans ces circonstances que tu mentionnes. Je vois que tu n'as plus de respect envers moi. Et tu n'as même pas peur de moi. Je veux te montrer comment vivre avec moi. Peut-être tu me respecteras. Tu n'as rien à me faire, vieux singe. Tu nous as donné une vache. Quand tu as remise après, tu as refusé de la reprendre pour commencer à m'en vouloir. J'ai un homme que j'aime dans ma vie. Un homme avec qui je partage ma joie. Et non d'un homme qui me veut juste en remplacement d'une vache. Et non d'un homme méchant qui prend de l'avantage sur le pauvre. Ta bouche qui n'a pas de respect. Oui.
peut-être la prochaine fois, je vais bloquer tes yeux et faire de toi une aveugle à jamais. Alors, tu comprendras que je suis fou amoureux de toi. Rentre à Waka. Rentre. Ou je vais t'accuser que tu es ici pour l'enlèvement. Oui. Elle est avec lui parce qu'il lui appartient. Retourne chez vous. S'il te plaît, laisse-moi vivre en paix. Rentre. Je dis que c'est non. Je suis vraiment sûr que toutes ces choses ne viennent pas de toi. Afuné nous doit sortir de cette affaire. Et je suis ici pour l'accomplir. Voilà pourquoi je suis ici. Je te l'ai dit. Rentrez chez vous. Je ne sais pas où, je suis confuse. As-tu entendu ce qu'elle vient de dire? Avoulez-nous. Voici ta nourriture. Laisse-moi libérer tes mains, alors tu vas bien manger. Hé, hey, Annie Tchégué. Hé, hey, avoulez-nous. Tu as jeté ta nourriture? Hé hey. Hé hey. Afoulez-nous. J'ai bloqué sa langue. Mon ami, laisse un peu cette pauvre fille. Laisse-la libre. Ça, c'est prouvé de la méchanceté. Laisse-la libre, s'il te plaît. Qu'est-ce qui est méchant, Orobu? Je prie ce qui m'appartient. Et ce qui m'appartient refuse de m'accepter comme son propriétaire. Je vais te poser une question, Onobu. As-tu rejoué mes ennemis? Je pensais que tu étais mon ami. Oui, je suis ton ami et je reste ton ami, à moins que tu veuilles le détruire. Hein? Laisse un peu cette fille libre et finis sa misère. Écoute, laisse-moi un peu te conseiller. Si tu la désires, va chez ses parents et demande sa main en mariage. Mais l'utiliser en échange d'une chèvre, ce n'est pas bien, c'est faux. C'est de la méchanceté, mon ami. Je suis le seul qui puisse te dire ces choses, c'est de la méchanceté. Oro, la prochaine fois que tu viendras chez moi et me parler de n'importe quoi, ce que je te ferai, maintenant disparais d'ici. D'accord, je m'en vais. Je m'en vais maintenant, mais laisse-moi te dire... Laisse cette fille libre. Laisse-la libre. Arrête d'être méchant vers elle. Écoute, cette chose que tu penses que tu connais, je la connais plus que toi. Oh. Je la connais plus que toi. Oh. Si je t'ai visité avec la colère, tu vas me haïr. Oh. Oh, laisse cette fille libre. Je t'avertis. Je te le donne comme un avertissement. Laisse-la libre. Combien de fois l'ai-je dit? Ok, je m'en vais. Laisse... D'accord. Quitte ma maison. Tu verras ce que je vais faire. Pas de problème. Je te souhaite bonne chance. Quitte ici. N'importe quoi. Regarde-toi. Qui es-tu pour te comparer à Essédiké? Dis qui est. Comment est-ce que je peux croiser les bras? Il laissait ses deux enfants me désobéir en allant chez Idibia. Pourquoi d'ailleurs j'avais permis à Yoma
de ramener sa fille dans ma maison. Maintenant, ma maison est totalement en feu. Hey, que dois-je faire? Où dois-je aller? Hein? Que dois-je faire exactement? Où dois-je aller? Ok. Ok, Chi. Oui. Voici la maison. Je veux que tu restes ici. Mais si je ne reviens pas dans les 10 prochaines minutes, s'il te plaît, passe me chercher. Ok, bonne chance. La chance n'a rien à voir avec tout ceci. C'est soit je la prends, soit je la perds. Laisse-la partir! Laisse-la partir! Libère-la maintenant! C'est seulement une solution qui réside dans la guérison que je fais. Mais visiblement, toi... Qu'est-ce qui t'a fait? Oh, c'est toi qui as fait ça! Tu es mort! Ah! Vite, 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 vite! Allons-y! Ah, Gabo! Allons-y! 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 Qu'est-ce qu'il m'a fait? L'esprit de vengeance, suis-les partout où ils vont, qui ne poussent pas à y arriver. Les enfants, oyez, les enfants, oyez, les hommes qui tiennent la justice, oyez. Les enfants, oyez. Maintenant, il est temps de faire la bonne chose. Les enfants, oyez. Nous devons maintenant s'occuper de cette affaire. Les enfants, oyez. Oyez. Les enfants, oyez. Allons-y. Allons-y. Les enfants, oyez. J'ai un cœur brisé, mon mari. Si seulement tu étais en vie. Il ne fallait pas que tu prennes ce serment pour ta famille. Ma sœur, si tu étais ici, je n'allais pas commettre l'erreur que j'ai commise. Mon mari, si tu étais en vie, je n'allais pas me laisser entraîner dans cette honte que je me suis mise. Regarde ma vie. Tu m'as laissé pour que je m'entraîne dans ces bêtises. Regarde ma vie. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je veux faire? Ma sœur, beaucoup, où es-tu? Oh, ni maman, Coco. Tu as vu ce qu'ils m'ont fait? Ah! Onaze. Un garçon étrange est venu ici, m'a coupé la main et il est parti avec mon affolémo. Ukolobo, il est venu avec une machette et il m'a terrorisé. Juste pour mon affolémo. Ah, Onaze, est-ce que tu en fais aussi partie? Onaze. Onaze. Je comprends combien vous êtes
Maintenant, je sais. Oh! Maintenant qu'on l'a ramenée, elle n'habitera pas encore ici. Peu importe, que rien arrive à tout le monde. Tous ceux qui cherchent à kidnapper l'autre désiraient que brûler vif. Okechi, et tu aurais pu voir comment est-ce qu'il est en train de crier comme un criminel. Il fallait seulement que je les tue. Hey. J'aurais dû les tuer. Naka. Je suis vraiment désolée. C'est moi qui avais planifié son enlèvement. Hein? Tante! Je t'en prie, mon fils, calme-toi. Calme-toi. Je l'ai fait pour que nous puissions rester loin des problèmes. Je ne savais pas que tu l'aimais beaucoup. Mais tu sais quoi? Je vais me rassurer qu'elle ne puisse plus se sentir seule. Ce qui doit se passer alors, ça se passera. Hein? Je suis vraiment désolée. Je te soutiens entièrement, mon fils. Je t'en prie. Pardonne-moi. Pardonne-moi et calme-toi. Pitié. Hein? Ma tante, mes salutations. Okechi, je ne veux pas accepter ta salutation. Je ne veux pas l'accepter. Jusqu'à ce que toi et Anaka, vous allez retourner chez vous. Hein? Vous pouvez me laisser tranquille, s'il vous plaît. Laissez-moi tranquille, je suis fatiguée. Ma tante, on l'a déjà sauvée. Hein? On l'a déjà pris dans le main de cet homme. Mon frère s'est vraiment battu. Il s'est mis dans le combat avec cet homme. Et il a dit que plus jamais. Et il ne laissera plus Adibike la reprendre. Hey. Et c'était vraiment Naka qui a dû la libérer. Hey. Es-tu sérieuse? Oui, je suis sérieuse. Où sont-ils maintenant? Ils sont dans notre maison à Awaka. Ma tante a décidé que je viens te chercher pour que nous vivons ensemble et combattre ces combats ensemble. Okechi. Okechi. Attends. D'ailleurs, tous laissez-moi tranquille. Je vous l'ai dit, je suis fatiguée. Je suis fatiguée de tout ça. Laissez-moi juste tranquille. J'ai besoin de la paix. Je vous en prie. Ma tante. C'est bien évident que ta fille a vraiment besoin de ton attention. Quoi? Il a dit qu'il va me détruire. Il a hérité de tous ses pouvoirs. Et que je devais aller jusqu'à Okebala pour trouver les miens. Comme il a dit qu'il veut perdre sa tête. Moi, Mazombologo, je veux l'aider à la perdre. Je veux le tuer et affronter les conséquences. Je veux le tuer. S'il te plaît, Ngolugu, hein? Calme-toi, calme-toi. Maîtrise-toi, s'il te plaît. Nous étions allés chez Agbala demander. Agbala avait dit, il a raison. Et la justice lui donne cette faveur. Alors, nous ne pouvons pas assez que peu énerver les dieux, s'il te plaît. Mazike, hein? Mazike, hein? Cette fille est une guerre que je moi-même portais. Je veux me battre pour cette fille. Je me battrai pour cette pauvre fille à Fulenu. Je veux me battre pour elle. Cette fille qu'il traite comme une prisonnière. Cette fille qu'il traite comme une esclave. Celle dont il est capable de tuer et de coucher avec son cadavre. Il est capable de le faire. Je le connais trop bien. Je le connais. Il est capable de le faire. J'ai dit à Onasi toutes ces choses. C'est vrai? Oui, j'ai dit à Onasi. Je ne vais jamais permettre que cela arrive. Je ne le permettrai jamais. Jamais! Ah bon? Mais Onasi ne m'a jamais raconté tout ceci. Réfléchissons un peu. Pourquoi il doit l'aimer plus vite? Il ne veut pas la libérer. C'est vraiment étonnant. Hein? Je connais tous ses plans.
Je connais tous ses plans et je ne permettrai jamais que cela arrive. Jamais. Jamais. Je ne permettrai jamais. Attends un peu toi aussi. Attends je un peu. Je vais finir. Calme-toi, hein, mon cher. Calme-toi. S'il te plaît. Je te dis et je dis. Calme-toi. Calme-toi. Je dois faire quelque chose. Non, calme-toi. Ne va pas très vite. Calme-toi. Je dois les tuer. Vous fouillez? Naï, il faut que je parte à Awaka. Ma fille a foulé nous, il est à Anaka. Mais oui, je ne sais pas ce qui va arriver après. Naï, Naï Amazé, merci beaucoup pour ton soutien. Mais il faut que je parte là-bas. Parce que je sais que le pire arrive. Je ne peux pas rester ici. Je dois aller où la honte et le mépris seront minimisés. S'il te plaît, Nayonazi, si on en mourait, rassure-toi de nous enterrer près de la tombe de mon mari. Tu ne vas pas mourir. Pardon. Tu ne vas pas mourir. Qu'est-ce qui a amené Ezamwa Wanya dans ma maison? Tu as fait que Sa Majesté le roi Igwe Akobondo quitte son palais pour la forêt d'Agba. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont dit qu'ils veulent? Que tu y es en train de dire que Afulenu t'appartient. Mais la façon dont tu vas avec Nerve le Dieu. Mais Afulenu est à moi. Et à moi pour toujours. C'est ce que j'avais cru. Jusqu'à ce que je découvre la raison pour laquelle tu la veux. Yes. Qu'ils ont dit, qu'est-ce que tu as entendu? Enterre tes ambitions ou tu seras enterré. Je dis. Personne ne va m'arrêter, ni même les dieux. Elle est à moi. Et à moi pour toujours. Je dois réaliser mes ambitions. Ça, c'est entre les hommes et les dieux. Okay, goûta d'ici à Nyonko. La solution pour tout ceci est de ne pas mentir et de dire bien. Où ce village d'Awaka, Ncheke, où tout le monde dans le royaume du Sosoma. Alors, où trouverons-nous la solution, hein, Ogechi? Où? Ma tante, souvenez-vous de cette femme en Christ qui était venue prêcher l'autre fois? Celle qui avait dit que son nom était Sœur Ojo. Alors, qu'a-t-elle fait? Elle nous avait laissé son adresse ici quand elle était venue. Peut-être qu'on a besoin d'aller le voir. L'air dit peut toutefois nous aider. Attends un instant. Tu veux dire que nous devons aller consulter notre Dieu? Pendant que les gens viennent de l'Est et de l'Ouest pour venir consulter nos divinités, tu veux que nous puissions aller consulter notre divinité ailleurs? Non, je ne suis pas du tout d'accord avec ton idée. Ma tante, tout ce que je veux dire est que peut-être que nous devons essayer leur Dieu, hein? Franchement, je ne suis pas d'accord avec ça. Pourquoi aller consulter d'autres dieux? Irababababa, yaku pidi, sedede, alando shakakakakakaka, oh Jésus,
Jésus, tout pouvoir fait contre cette communauté. Aujourd'hui, je me tiens debout. J'invoque la puissance. Que cela soit détruit par le feu. Ya babababababababa shintabo. Que le feu dévorant consume tout ta corps. Babababababababa shintakabo. La bataille ne sera pas facile. Mais le Dieu que nous servons est capable de tout faire. Nous devons aller voir moi et Coco, le fils du Tout-Puissant. Mm. Si Dieu nous fait grâce, ils ne seront pas seulement restaurés, mais aussi délivrés de toute attaque démoniaque. Ah, s'il te plaît, vas-y, nous sommes prêts. Premièrement, tu dois renoncer à toutes tes croyances et accepter le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Mm. Es-tu prête? Oui, je suis prête. Allez, prie avec moi. Dis, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Viens dans ma vie. Viens dans ma vie. Sois mon Sauveur et mon Seigneur. Sois mon seul Seigneur. À partir d'aujourd'hui jusqu'à jamais. À partir d'aujourd'hui à jamais. J'ai choisi de te servir. J'ai choisi de te servir. Où sont-ils? Je leur montre. Isinogogwe. Où sont-ils? Oh, très bien. Très bien. C'est ça la route. Oui. Ok, Mirigetota. Heavy rain for today. Ici, les bogidi, les bogidi. Gada les bogidi, gada les bogidi. D'accord, par là. Ici, les bogidi, les bogidi. Gada les bogidi, gada les bogidi. Gada les bogidi, bogidi. Ogida, quoi, on nous. Hey! 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 Ok, Mirina Bogwe! Ok, Mirina Bogwe! Ok, Mirina Bogwe! Hey! 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 Ok, Mirina Bogwe! Taguanoza! 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 Ok, Mirigezo! Ok, Mirigezo! Ok, Mirigezo! Ok, Mirigezo! Is it a bogey in a bogey? Gotta get bogey, Ebunogi! Gotta get bogey, bogey! Okay, I boy on. Je ne savais pas que les choses vont être comme ça. Je ne savais pas. Allez, arrête de pleurer. Ça va aller. Hein? Mon Dieu. Ça suffit. Tu as suffi. Où es-tu, mon Dieu? Arrête ça. Tu ne peux pas enterrer une âme qui n'est pas morte. Hein? Patiente, je t'en prie. Il y a toujours une lumière au bout d'un tunnel étroit et obscur. Tu m'entends? Gardons espoir et patientons. Ma belle, Mon allez, Dieu. Approche, ça va aller. Arrête de pleurer. Ça suffit, tu as assez péri. Vidéo! Vidéo! Bileona, bile gagaga. Jésus. Bileo, éboubé, bileo, laissez éboubé. Bileo, bile gagaga. Tu es le Dieu qui répond par le feu. Jésus, tu es puissant. J'invoque le nom de Jésus qui est au-dessus de tout nom. Yaba ke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 . Iga doboro toko shikata. Yaba ye ke 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 ke. Yaba ba 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 ba. Bo 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 shin ka 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 ka. Hey! Ah ah. Ah. Mpoloko, tu es encore ici? Oui, je suis encore là. Et je resterai ici pour attendre cet homme méchant. Afin qu'il n'ait pas peur en ville pour causer du mal. Et c'est pourquoi je bloque ce chemin. C'est lui que tu attends ici. Il a traversé déjà la rivière. Hein? Oui. Il a pris les véhicules. Il est parti en ville. Quoi? Il n'est plus là. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Tu peux aller le voir chez lui. Hé? Oh, I'm not a Pokemon.
J'ai besoin d'écouter vos voix chanter. Ouvrons nos bouches et commençons à prier. Et les Kob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 
Chakakakakakaka. Que tu sois consumé au nom puissant de Jésus. Que le feu devant te consume au nom puissant de Jésus. Merci Jésus, que ton nom soit loué. Merci Seigneur. L'un est là et l'autre est parti. Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne comprends pas. Mazé, tu ne vas pas comprendre. Tu vois, cette vie est pleine de mystères. Mais je te dirai une. Je suis le père d'Afoulenou. Le défunt Madubuko était infertile. Alors il était venu me demander de l'aide. Alors j'avais emmené Yoma, sa femme, à la maison de Dibiaïke, afin qu'il lui donne certaines plantes qui ont fait qu'elle dorme pendant que j'étais en train de coucher avec elle. Cela a été fait. Et j'ai couché avec elle et elle était devenue enceinte. Et cette grossesse nous a conduit à cette jeune fille que tu vois là, Afoulenou. Plus tard, et ceci a été fait pour Madubuko. Et plus tard, Dibiaïke a commencé à réclamer que il avait aussi fait venir Yoma dans sa maison pour venir prendre des plantes. Ça, c'est ce qu'il prétend. Pour venir récupérer de plantes. Et lorsqu'elle était venue, il l'avait droguée et avait couché avec elle. Maintenant, nous deux sommes en train de réclamer sa paternité. Maintenant, il a juré que ce soit qu'il devient le père d'Afoulenou ou bien qu'il va la tuer pour que je ne voie plus cette fille. Parce qu'il aime énormément cette fille. Mazé, regarde un peu trop bien cette fille et essaye aussi de regarder mon visage. Ne peux-tu pas remarquer des ressemblances? Hein? Ne vois-tu pas qu'on a le même visage? Hé, hey, mon cher ami, ami de tout le temps, ce que tu dis c'est vrai? Qu'est-ce que tu vas faire? Écoute. Yoma ne connaît pas toutes ces choses. Hein? Elle ne connaît pas toutes ces choses. Et c'est pourquoi je me suis décidé que je dois protéger cette fille. Je dois me rassurer que je la protège. Même si cela signifie avec mon sang, je le ferai. Parce qu'elle est ma fille. Elle est mon enfant. Et je ne vais la laisser pour aucune autre personne. Tu vois, tous ces drames dans lesquels nous nous sommes mis, ce n'était juste que pour essayer de couvrir. Je suis le vrai père d'Afoulenou. Et je dois me rassurer que je la protège. Je dois me rassurer que je la sauve. Ça dépasse mon entendement. C'est vraiment étonnant. Maintenant, je vais chez Awaka pour voir Yoma. Afin que je lui explique toutes choses. Oui, tout. Elle doit tout savoir. Je te dis. Je ne crois pas. Mon frère, je ne crois pas. Vraiment, mon frère. Et c'est vrai. Je crois que c'est le temps de tout dire. Je crois aussi que c'est ça le vrai problème. C'est ça le vrai problème. Dis-moi où sont-ils? Yoma, je dis dis-moi où sont-ils et que j'aille sauver ma fille Afoulenou. Je suis son père. Je l'ai planté dans ton ventre, dans la maison de Dibiaïke. Et je l'ai fait pour ton défunt mari Madubuko, mon ami. Dibiaïke réclame aussi qu'il a couché avec toi. Et maintenant, il réclame que Afoulenou est sa fille. Sa propre manière d'amour. Et celle de l'obsession et de la folie. Maintenant, il réclame qu'il l'aura soit comme
un enfant, soit comme une femme. Yoma, essaye de vérifier la ressemblance entre nous deux. Vérifie la ressemblance. Tu trouveras que Afulenu est bien ma fille. Hey! Je crois que j'ai raison de dire que Afulenu est ma fille. Alors, montre-moi où ils sont. Montre-moi où sont-ils et laisse-moi sauver ma fille. Je détruirai toute personne qui voudra la détruire. Oh! Attends un instant. Est-ce vrai ce que tu dis? Dis-moi que ce n'est pas vrai. Il l'a dit de sa propre bouche. Il l'a dit de sa propre bouche. Mais essayons de connaître la vraie vérité cachée derrière ce drame. Jay, vraiment, oh, vraiment, c'est étonnant. Tout ceci, c'est fait. Bien, il n'y a rien que nous pouvons faire. Je dois partir. Bien, continuons à regarder. C'est vrai, c'est ça. Nous n'avons rien à faire, nous n'allons que regarder. Attendons que la vérité s'éclate. Je pense qu'il ne t'a rien dit, hein, Nougo. Avant qu'il ne dise un mot, l'homme de Dieu nous a révélé que, avant qu'il ne détruise Lady Biainke avec tous ses plans maléfiques, que Naka doit payer ma dot à la famille de Madouboko. Mais la chose la plus importante de tous ces sagas est que la lumière est revenue dans toute cette communauté. Nous l'avons tous vu, nous l'avons cru et nous avons tous bénéficié de cela. La lumière est apparue. Et je serai le premier à accueillir cette lumière parce que nous avons longtemps demeuré dans les ténèbres. Je suis vraiment désolé. Attends. Alors, je suis énormément désolé. Qu'est-ce que tu fais avec cette tenue? Je veux l'enlever et je vais essayer d'embrasser la lumière. Hé, hey, maman. Tu es bon. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le igbo, le twi, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenu vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram aforevo.dobbing, sur notre site web www.aforevo.dobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 98 19 précédé du code +234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement. Afulum
Afunum